dit que la principale cause de la sédition est la religion, chose fort étrange et presque incroyable. Car si sédition est mal, voire comme dit Thucydide qu'elle comprend en soi toutes sortes et espèces de mal, comment est-ce que la religion, si elle est bonne, engendrerait le mal et l'effet contraire à sa cause? Davantage si sédition est guerre civile, pire que la guerre extérieure, comment advient-il qu'elle soit causée et produite de la religion, surtout chrétienne et évangélique, qui nous commande en priorité la paix et amitié entre les hommes? La vérité est telle que si les hommes étaient bons et parfaits, ils ne viendraient jamais aux armes pour la religion. Mais aussi, nous ne pouvons nier que c'est folie d'espérer paix, repos et amitié entre les personnes qui sont de diverses religions. Nous l'expérimentons aujourd'hui et voyons que deux Français et Anglais qui sont d'une même religion ont plus d'amitié entre eux que deux citoyens d'une même ville, sujets à un même seigneur, qui seraient de diverses religions. Tellement que la communauté de religion dépasse celle qui est à cause du pays, par contraire, la division de religion est plus grande et lointaine que nulle autre. C'est ce qui sépare le père du fils, le frère du frère, le mari de la femme. Non veni pacem mittere, sed gladium. C'est-à-dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Issu du Nouveau Testament, évangile selon saint Matthieu. C'est ce qui éloigne le sujet de porter obéissance à son roi, et qui engendre les rébellions. Cependant, messieurs, gardons et conservons l'obéissance à notre jeune roi. Ne soyons si promptes et faciles à prendre et suivre nouvelles opinions, chacun à sa mode et façon. Délibérons longtemps avant, et nous instruisons, car il n'est pas question de peu de choses, mais du salut de nos âmes. Autrement, s'il est loisible à chacun de prendre nouvelle religion à son plaisir, voyez et prenez garde qu'il n'y ait autant de façons et manières de religion qu'il n'y ait de famille ou de chef d'homme. Cependant, ne remuons rien légèrement, ne menons la guerre à notre royaume par sédition, ne brouillons et confondons toutes choses. Je vous promets et assure que les rois et reines n'oublieront rien pour avancer le concile, et si ce remède s'avérait inopérant, useront de toute autre mesure dont leurs prédécesseurs rois ont usé. Considérons que l'inconduite de notre Église a été cause de la naissance des hérésies, et la réforme pourra être cause de les éteindre. Nous avons ci-devant fait comme les mauvais capitaines qui vont assaillir le fort de leurs ennemis avec toute leur force, laissant dépourvus et dénués leur logis. Il nous faut dorénavant garnir de vertu et bonnes mœurs, et puis les assaillir avec les armes de charité, prière, persuasion, parole de Dieu qui sont propres à tel combat. Prions Dieu incessamment pour eux, et faisons tout ce que possible nous sera, tant qu'il y ait espérance de les réduire et convertir. La douceur profitera plus que la rigueur. Ôtons ces mots diaboliques, noms de parti, factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes. Ne changeons le nom de chrétiens. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.